avez vu juste avant nous la relève des troubadours Magico Bombo. Voilà. Alors, on va essayer de vous conter quelques légendes avant de les mettre en musique. Et la première légende de ce soir, en fait, c'est la légende d'une danse. D'une danse et d'une musique qu'on appelle la danse de l'ours. Alors, nombreux sont les troubadours, les ménestrels ou tout autre musicien de lointaines régions qui revendiquent avoir inventé cette danse et cette musique. Alors nous, porteurs de vérité, les tanneurs de Drac, nous allons vous la conter, cette légende. Il faut savoir que cette légende, en fait, elle est née dans les Pyrénées ariégeoises. Ouais, le pays de Robin. Et le tien aussi, super. Alors, cette légende, elle est née dans les Pyrénées ariégeoises grâce à un Écossais qui s'appelait Kyle Douglas MacTavish. C'était l'ancêtre de Leroy qui est ici présent. Voilà. Alors, Kyle Douglas MacTavish, fier Écossais, décide un jour de traverser les Pyrénées ariégeoises. Pourquoi? On ne le sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il avait planifié son itinéraire de façon à suivre toutes les tavernes de la région. Ouais. Alors, ça a rallongé son voyage, mais ça l'a rendu fort appréciable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le bon Kyle Douglas MacTavish, un jour, il était fatigué parce qu'il s'est arrêté à une taverne, donc il avait pris une sacrée cuite, et il allait attaquer le col de Mijanès. Alors ça monte comme ça à Mijanès, dans les Pyrénées ariégeoises pendant plusieurs heures. Donc l'Écossais, il se dit, je vais faire une pause, je vais me reposer. Et comme c'est le début du printemps, et que le soleil commence déjà à taper, l'Écossais, il trouve un chêne qui lui fait un peu d'ombre. Alors il enlève son tartan, ça lui prend bien 5 minutes, ça fait 7 mètres un tartan. Alors il enlève son tartan, il le jette sous le chêne, et là, il se couche et il va se reposer. Mais avant de s'endormir, il ouvre sa besace, il sort des noix, des amandes, un bout de pain rassis qu'il avale, et pour faire descendre le tout, il boit un petit hydromel, et il avait ramassé quelques champignons dans un pré, 5 minutes avant de faire sa petite sieste. Donc, il avale ses champignons aussi. Et là, il s'endort. Il s'endort, Kyle Douglas. Il est bien. Il y a un petit air frais qui passe sous son kilt. C'est impeccable. Et au bout d'un moment, dans son sommeil, il entend une musique. Oh, quelle jolie musique! Cette musique, ça lui rappelle un air de son pays. Il réfléchit, il dit, mais c'est une gigue. Oui, c'est une gigue de mon pays. Alors Kyle Douglas, il ouvre un œil, il en ouvre deux. Et puis, il s'assoit, et là, en face de lui, à une cinquantaine de mètres, sous les arbres, il y a les rayons de soleil qui traversent les arbres, et ça éclaire une magnifique demoiselle qui s'appelle Christy MacArthur. C'est la serveuse du troll boiteux dans son village. Alors il est content, il revoit Christy MacArthur qui danse une gigue. Il y a ses jupons qui virevoltent au-dessus des fougères, le tableau est magnifique. Kyle Douglas, il se lève, il réajuste son kilt, il peigne sa barbe, il met ses cheveux en arrière et il court tout droit pour attraper Christy MacArthur et danser une gigue avec lui. Mais en fait, c'est pas Christy MacArthur qui a dans les Pyrénées, non. Parce que le champignon qu'il avait mangé, ça a créé des hallucinations, il ne savait pas. En fait, il avait un ours des Pyrénées en face de lui. Un ours des Pyrénées qui se levait parce que c'était le printemps et qui était en train de grommeler en se frottant le dos contre un arbre. Mais comme il hallucinait, Kyle Douglas, eh ben, il attrape le mammifère plantigrade à griffes non rétractiles qui pèse aux alentours de 400 livres et il commence à danser la gigue avec lui. Voilà. Alors, à danser une gigue avec un ours, ça passe pas, il m'en a aperçu, et même dans les Pyrénées, à environ 200 mètres sur un chemin de chèvre, là, il y a un troubadour qui s'appelle Arnaud de Lordat. Et il voit cette scène épique, il voit un Écossais qui danse la gigue avec un ours, ça lui ouvre l'inspiration, et sur le chemin du retour, damoiselles et damoiseaux, à la flûte, il compose la danse de l'ours. La danse de l'ours. Merci. Ça n'a pas commencé encore. Bravo!